Né en 1949, Monsieur Piñera n'est pas étranger aux affaires ni à la politique. En tant qu'économiste formé à Harvard, il a fait fortune en introduisant les cartes de crédit au Chili dans les années 1980. Il a investi dans la plus grande compagnie aérienne du pays, le plus grand club de football du pays et une chaîne de télévision. Monsieur Piñera a aussi été sénateur et président du Parti du Renouveau National. Sa première présidence entre 2010 et 2014 a été marquée par une prospérité de l'économie, mais aussi par le sauvetage spectaculaire de 33 mineurs en 2010. Ce politicien conservateur propose de baisser les impôts et de raviver la croissance, promettant de faire du Chili le premier pays d'Amérique latine à obtenir le statut de nation développée.